Salut tout le monde, c'est Squall et aujourd'hui on se retrouve enfin sur Hotline Miami 2. Donc il est édité par Devolver Digital, développé par Denaton Games. Donc il vient de sortir le 10 mars 2015, donc aujourd'hui pour moi. Il sortira demain, donc le 11 mars, sur PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita. Le jeu est en cross-buy, donc si vous en achetez un, automatiquement vous l'avez sur les autres consoles, ce qui est plutôt avantageux. Alors comme d'habitude, la musique pourra des fois être un peu plus forte que ma voix, mais je mets le jeu, enfin la musique du jeu en avant, plus que ma voix évidemment, puisque c'est un des atouts majeurs d'Hotline Miami 2. Donc je vous ai montré le tuto avant, même si ça sert pas à grand chose je pense, mais ça vous montre direct, enfin c'est autre chose par rapport au tuto du premier Hotline Miami, donc j'ai décidé de vous le montrer. Et bah sur ce, on est parti. Donc premier acte, exposition. Alors je sais pas combien de temps vont durer les épisodes. Je vais essayer de pas trop les faire durer longtemps. Attendez. Je vais mettre le chrono, simplement. Je vais pas m'emmerder. Alors, attendez 2 secondes. Hop voilà, bon je serai un peu en retard sur mon chrono, mais bon, à peu près. Elle craint cette fête, quelle bande de minables. Qui a invité tous ces connards? Vous en pensez quoi pour ce soir, on y va? Je vois pas pourquoi on n'irait pas, j'en peux plus de cette merde. Ouais, on fonce. Les armes sont dans la bagnole, hein? Bon, alors on le fait pour de vrai? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai augmenté un petit peu celle-ci. D'ailleurs c'est vrai que je me suis dit que j'allais encore la baisser, mais bon pour l'instant je vais aller avec ça. Donc comme d'habitude, on rentre dans la voiture pour faire les premières missions. Alors vraiment très excité hein, pour Hotline Miami 2. J'ai lu les premières critiques et apparemment la fin est juste énorme, donc ben, on verra ça en direct. Donc on a le premier masque, qui est le zèbre. Donc il va nous permettre de faire des roulades pour esquiver. Et ça va être un des atouts majeurs de ce Hotline Miami. Ah merde, je l'ai pas vu. C'est qu'apparemment il y a moins de masques. Mais... putain, ok, va falloir que je me remette dans le bain de Hotline Miami là. Hop. Merde, j'ai loupé. Hop. Alors je ne sais pas s'il y a des secrets hein, dans ce jeu comme le premier Hotline Miami par exemple. Ouh, j'ai chaud. En tout cas la musique, hein, comme d'habitude, claque un max. Est-ce qu'il n'y a pas une autre arme? Est-ce qu'il n'y a pas une autre arme? Y aller avec 2 balles, ça va être dur, mais bon, allez. Mince. Mince. Hop, ramassons le Uzi. Oh, genre il a pas pris. Il y a l'air d'avoir un problème au niveau des collisions avec les murs. Je sais pas si c'est moi, hein, mais enfin. Si c'est moi qui délire en disant ça, qu'est-ce que j'ai ramassé? Voilà. Ta distance est pas assez loin. Ok. Hop. Donc on en a ici, de là. Ah là-bas, d'accord. Comme d'habitude, hein, l'IA est plutôt bancal, mais je pense que c'est un peu ce qui fait le charme d'Hotline Miami justement. D'après moi, c'est un des charmes justement du jeu. Hop, allez amenez-vous. Ok. Premier chapitre terminé. Alors, je regarde rapidement s'il n'y a pas des secrets, mais apparemment il n'y en a pas dans ce jeu. En tout cas, j'ai pas trouvé. Alors, dans les success teams, parce que j'ai quand même été faire un tour hein, dans les success teams, il faudra péter de l'électronique apparemment. Alors, je sais pas trop ce que c'est l'électronique dans ce jeu. Il faudra voir. Peut-être ce sera annoncé avec la suite du jeu. Bref, voilà, premier chapitre, donc qui est un peu le tuto, hein, sincèrement. Un peu le vrai tuto. On voit qu'ils ont une S. Allez, premier chapitre terminé. Level score, qu'est-ce que c'est ça les level score? Donc j'ai dépassé. Ce serait quoi? Ce sera genre pour avoir le prochain masque? B-.
Mask Unlocked, le tigre, Tony, mais en version un peu plus baisée, j'ai envie de dire. Ah, comme d'habitude, ces petits interludes là, on peut pas leur parler, non. Joyeux Halloween, monsieur. Joyeux Halloween, ouais. Bref. Vous avez commandé 3 pizzas, c'est ça? Ça vous fera 14,50$, monsieur. Vos pizzas sont sur le comptoir sur votre gauche. Je vous souhaite un bon appétit et attention aux fantômes ce soir. Au revoir. Foiré, avec Jaquette, on les avait gratuitement, la bouffe. Très joli temps de chargement. Allez, 25 octobre 91. Donc on est dans les années 90, là. Tiens, on n'utilise pas le même personnage là. J'ai l'impression. Vous partez déjà? Vous n'avez pas l'air en forme, ça va aller. J'ai eu une journée stressante, si vous saviez ce qu'on m'a fait faire. Hein. Ce qu'on me fait faire. Je ferais mieux de rentrer chez moi et de dormir un peu. D'accord, alors bonne nuit. À vous aussi, beauté. Ah, c'est pas le même personnage. Deuxième scène, homicide. Alors, je vais sûrement me taper des droits d'auteur et tout, hein. Je m'en suis tapé sur l'intégralité du Let's Play d'Hotline Miami 1, donc... ça va sûrement être pareil pour le 2, mais bon, c'est pas trop grave, hein, sincèrement. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a... Attention, on va mourir. On peut toujours achever les ennemis. On va mourir. Hop. Le pistolet. Attention, attention, attention. Oh mon dieu. D'accord, on peut pas tirer à travers ça. On peut pas tirer à travers ça. Je fais un peu des tests aussi, hein. On va voir si on peut tirer à tel, à travers telle ou telle surface. Il reste plus qu'un mec. Ça brille ça ou... On va voir. Non. Je vais vraiment prendre mon temps sur ce let's play parce que c'est vrai qu'Hotline Miami 1 je le connaissais. Mais pas celui-là, donc je vais vraiment prendre mon temps sur chaque mission. Oh, c'est marrant ça. Oh la vache, la musique, mon dieu. Mince. Une erreur, et comme d'habitude, vous le payez cash. Hop. Non ? On a fait le ménage à peu près par ici. Il me reste encore des balles, moi. Ok. J'ai eu l'autre en bas? Non. Voilà, là je l'ai eu. Je sais pas s'il y en a encore. Change d'arme. Ok, il y en a un là. Il y en a plus ici. On fait gaffe. Wow! Je sais pas trop comment je l'ai eu, mais ok. Tiens, contrat. On peut pas non plus cliquer dessus. J'espère qu'ils ont gardé ce système un peu de secret qu'il y avait dans Hotline Miami 1, par exemple, où ça ferait genre une fin différente. Je sais que le jeu, alors, il me semble, c'est quand vous le finissez, vous avez un mode extrême qui se débloque, donc vous faites le jeu, mais encore plus difficile. Et ça, je sais que les speedrunners vont sûrement adorer le faire. Alors évidemment je prévois un speedrun du jeu mais vraiment quand je le connaîtrai à 100%, un peu comme j'ai fait pour Hotline Miami, hein, même si c'est vrai que mon temps était complètement merdique, hein, évidemment, mais genre pour essayer de faire Oh. Lâchez votre arme et un genou sur le sol, maintenant. Ne tirez pas, je suis inspecteur de police, voilà mon insigne. Oh désolé monsieur, baissez vos armes les gars. Qu'est-ce qui se passe ici, on a entendu des coups de feu? Ouais, allez voir par vous-même, c'est un bain de sang là-bas. Mec, des fois je déteste cette ville. C'est un flic? Un vrai flic? En tout cas, ça va les mecs? T'as pas l'air de me croire. Alors la bande son, hein, c'est comme pour tout, hein, enfin pour la suite d'un jeu, il faut s'habituer à ce que ça soit des nouvelles musiques. Et c'est vrai qu'Hotline Miami 1 avait des musiques juste exceptionnelles. Et du coup, c'est assez. Ça va être difficile de se faire honneur aux musiques, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Putain, on joue vraiment un flic? C'est chez moi ça? Oui, c'est chez moi. Encore une affaire de meurtre, c'est ça? Ouais, on est vraiment un flic? Ouais, on dirait qu'on a un tueur en série sur les bras, pardon.
Même mode opératoire que pour le gars de la semaine dernière, le message, tout pareil. Je suis innocent, on m'a obligé à faire ça, tu vois le genre, toujours le même pipeau. Ça m'a tout l'air d'un vrai psychopathe, non? Ça fout les jetons. Bah, les journalistes seront contents, cette bande de vautours. Vu le nombre de meurtres dans cette ville, ça va pas beaucoup les exciter. Pour qu'ils lèvent leur cul de leur chaise, il faut que le sang coule à flot. Cette affaire, c'est trop classique, pas assez de détails dégueulasses pour eux. Ouais, à force de vivre ici, c'est sûr qu'on a la peau dure, hein. J'ai la peau dure de naissance. Et vous avez trouvé des indices? Pas vraiment, il a eu la gorge tranchée, mais on n'a pas encore l'arme du crime. Pas d'empreinte, pas de témoin, rien. Je te préviens, si on trouve quelque chose. Ouais, merci. Je rentre au commissariat, je me mets à la paperasse. D'accord, bonne nuit, inspecteur. Ouais, je vais m'éclater. On va tourner autour pour voir. Non. Toi, non, tu me laisseras pas passer. Toi, on peut pas te parler. Bon. On peut continuer à monter ou pas? Non. Ok. Donc on joue un flic, hein, donc il s'appellerait Pardo apparemment, ou en tout cas ça a l'air d'être son nom de police. Oh. Ok, 25 avril 89, ah d'accord. Mon dieu. Ok, donc ça ce serait un des personnages qu'on jouerait. On a l'air de jouer plein de persos à la fois, c'est assez dérangeant. Ah, encore ces papiers roses. Merci de vous être abonné à notre lettre d'information. Nous apprécions votre intérêt pour notre cause. L'Amérique est une chanson qui doit être chantée tous ensemble. Moins 50 bénédictions. Ce même papier rose. Attendez, il y a autre chose à côté. Ou alors non, c'est un tout. Ouais, ça doit être un tout. Ce même papier rose que Jacquette avait reçu et le biker aussi. Bonjour, ici Eric du garage Miami Auto Repair. Je vous appelle pour vous prévenir que nous avons fini le travail. Allô, qui est à l'appareil? Passez-moi votre patron. Passez récupérer votre bien sur la 12e avenue Nord-Ouest. Hey, je vous parle, là. Nous garantissons le meilleur service de toute la ville. Je rêve ou il m'a raccroché au nez, connard de russe. Un peu de respect, merde. Ok. Donc on va jouer pas mal de persos, apparemment. Alors je sais qu'il y a moins de masques, mais que chacun aura vraiment des... aura plus de capacités. Ce qui en soit pas un mal, hein. Hard News, troisième scène. Des scènes comme si on était dans un film. Ah d'accord, vous voyez? Alors, Lethal Foe, donc quand vous jetez quelque chose, ça le tue automatiquement. Chaque personnage a ses masques en fait, c'est ça que j'ai l'impression. Oh cette musique, mon dieu. On vérifie s'il y a rien. Ok. Donc déjà, il y a des vitres, c'est pas bon signe. Hop. Oh mon dieu. Donc Lethal Foe, normalement c'est ça, hein, c'est... Voilà. Vous lancez avec telle force que vous one-shotez celui qui va s'en prendre une. Oh putain. Merde. Oh. C'est quoi qui a pété là? C'est marrant la façon d'y recharge. Ah mais c'est un autre shotgun. C'est marrant ça. Non. Non. Il y a la vitre au-dessus. Non mais l'autre aussi. Mince. Ok. Oh c'est quoi, c'est une AK ça? Oh mon dieu, eh, c'est en stress à chaque fois, hein, putain. Ah, ce serait ça, tuer l'électronique? Enfin, détruire l'électronique? Faut que je fasse attention. Ah ouais, mince, il y a un mur. J'ai pas fait gaffe, ça. Ah, du coup, j'ai plus beaucoup de balles, moi. Magnifique. Mince. Non. Ok. Hop. Oh là là, cette zik.
c'est ça l'électronique, ce serait détruire les... Qu'est-ce que c'est que Sinaka, ça? Oh, c'est bon. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça. Donc, un succès voudrait qu'on détruise toutes ces choses-là. D'accord. Hop, on prend la M4. On retourne en arrière. Donc, les lancers de létal. Hop. Encore? Non, personne? Toi, vous faites chier, les mecs. Non, c'est chiant, là, dommage. Qu'il y a un droit. Oh! Punaise! Voilà. Faut quand même que je fasse ça tout ça, pas faire kéké, hein, parce que. C'est très souvent comme ça qu'on meurt hein, dans le clan Miami. Ah, la K, elle est meurtrière, par contre, hein. Faites chier les mecs là, putain. Oh merde, j'ai déconné. Elle va mourir. Putain. Ouais, il y a l'air d'avoir un problème avec les murs par contre. Les murs ont une propriété assez bizarre. Hop. Oh non, oh j'ai déconné. En plus comme ça un gros sac. Hop, encore un. Non, personne. Hop. Mince. J'ai plus de balles. Allez, amène-toi. Ouais, il y a un problème avec le mur. Ouh loulou. Va mourir, va mourir. On prend la K. Hop. Voilà. Là, j'ai plus de balles. Là, y'a presque plus rien. Okay. Est-ce qu'il reste encore des mecs ici? Une boss ou pas? On va voir. Ok. On prend la mallette. On peut le buter? Non, de toute façon on est coincé. Non. Ouais. Hop. Est-ce que ça sent un boss ou un truc comme ça? Non, d'accord. Ok. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai pas envie que le premier épisode soit trop long. C'est vraiment histoire, bah c'est un peu une découverte pour vous. Et moi c'est le début du let's play en même temps. Voilà, donc on va revenir au menu. Un beau sécom bien dégueulasse. Un nouveau masque. Donc Irvin qui a un nouveau masque dans Hotline Miami. On va quand même continuer. Le temps 2. Salut, bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux me faire tatouer. D'accord, et tu as une idée de ce que tu veux? Je veux un Old Dixie, juste là, sur l'épaule. Ok, voyons voir. Un Old Dixie. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça tirait vendredi à 14h? Vendredi? Comment ça vendredi? Tu peux pas me le faire tout de suite? Il me faut ça aujourd'hui, c'est un jour spécial. J'ai un truc à fêter. Désolé mec, je peux rien faire, on est complet jusqu'à vendredi. Ah ouais? C'est comme ça que tu traites tes clients? Eh ben, t'es pas prêt de me revoir, espèce d'enfoiré. C'est toi qui vois, mec. Je vais maintenant accueillir le prochain invité de notre émission. Célèbre pour ses films encensés par la critique. Océan Bleu, Le Calme et le Pays des Arbres. Voici Martin Brown. Bonjour Martin, comment allez-vous? Très bien. Avec votre dernier film, vous semblez donner une nouvelle direction à votre carrière. Et beaucoup ont été surpris par ce choix et certains y ont même vu une trahison. Que leur répondez-vous? Une trahison? Carrément. Comment ça?
Eh bien, certains disent que L'Animal de Minuit n'est qu'un film gore de plus. Je ne le vois pas comme ça. Ça fait longtemps que je voulais faire un film comme ça. Tuer des gosses, les étrangler, défoncer des têtes, arracher des yeux, les écouter hurler puis les regarder agoniser. Et j'ai enfin pu faire tout ça. Ok. Ne me regardez pas comme ça, oula. Comment ? Je vois, je suis en train de rêver, non ? Que voulez-vous dire ? Oula. What the fuck ? Ça, tout ça, c'est juste un rêve, non ? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Ok, pause. Oh ! Vous croyez être en train de rêver ? Alors il est temps de vous réveiller. Qui êtes-vous ? Qui je suis ? Et maintenant, c'est moi qui réponds à vos questions. Putain, c'est Jaquette ? Je crois que je devrais plutôt poser les questions, non ? Ce film que vous tournez, vous savez comment il va finir ? Je crois qu'il y a un retournement de situation à la fin qui ne vous plaira pas. En fait, ça ne plaira à personne. Alors vous devriez peut-être laisser tomber avant qu'il ne soit trop tard ? Je ne crois pas, non. Vous prenez plaisir à tourmenter les gens, n'est-ce pas ? C'est juste du cinéma. Juste du cinéma, hein. On peut voir les choses comme ça. Ah, mais c'est chez Jaquette. Oh la vache, je suis vachement surpris hein, quand même, la tournure que prend le scénar. Oh mon dieu. Eh ben vous savez quoi, on verra ça au prochain épisode. Eh oui. Hop. Voilà, bah moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Donc vraiment un début assez dingue, des musiques de ouf, ça en même temps c'est un peu normal. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime et à vous abonner. Je vous dis à plus tard tout le monde, salut.